Mais moi aussi, ça va. J'espère en tout cas que c'est le cas. Moi, ça va super, super bien. En fait, c'est l'objet de cette vidéo qui me rend super, super contente. Je suis venue aujourd'hui vous remercier d'être toujours là malgré mon absence, malgré le fait que je ne suis pas régulière. Je poste parfois une vidéo par mois, mais vous êtes toujours là. Alors, je me suis dit, je dois le remercier. Raison pour laquelle j'ai organisé un tout petit concours, vraiment, c'est un tout petit concours, mais j'ai tenu quand même à le faire. Alors, tout d'abord, le premier lot, c'est ceci. La jupe se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des plis creux à l'avant de la jupe. Et derrière, on a un système d'élastique. J'ai tenu à faire mes jupes comme ça parce que, étant femme, on a souvent des bons et mauvais jours dans le sens où il arrive des jours où nos ventres sont ballonnés, il y a des jours où on a le ventre plat. Et à travers ce système élastique derrière, la jupe va adhérer à votre corps malgré les saisons, malgré le fait que vous avez beaucoup mangé hier ou pas. Alors qu'avec les fermetures, il y a juste une taille. Et si vous mangez un peu trop, en fait, la jupe ne vous va pas. Donc, une petite parenthèse, les moussis. La jupe que je vous ai présentée en vidéo n'est pas celle que vous allez gagner. C'est plutôt celle sur les photos et sur les petites vidéos que j'ai incluses dans la vidéo. À plus! Je voulais aussi préciser que les jupes sont mini. Donc, en tout cas, vous allez voir sur les vidéos, elles sont mini, mais j'adore quoi. J'adore ces plis à l'avant. J'adore. Je suis une love de mes jupes. Ensuite, je vais mettre sur le centre afin qu'il soit facile à présenter. Alors, ça ressemble à ça. Oh my god. Ça, c'est une réalisation de ma mère. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Je ne sais pas encore broder comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais comme j'ai dit, je vais vous mettre quelques photos là. Je rapproche pour que vous puissiez bien voir. Vous m'écoutez? C'est la folie. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. La broderie. Je tenais aussi à préciser que le petit boubou est fait pour toute femme ayant une poitrine de maximum 94 cm. Alors, le lot suivant. Je prends celui-ci. Vous avez là un sac magnifique. Ce sac a été fait par ma tante. Moi, je ne connais pas encore fait ça, mais je l'avais assisté. Je l'avais assisté. Et si vous voulez son contact, écrivez-moi sur Facebook. Je vais, ou bien même en commentaire, je vais vous répondre. Et je trouve ça trop beau quoi. C'est un sac en wax, bien sûr. La couleur, je crois que là on voit très bien. Vous m'écoutez? Ouais, la folie. Voilà, c'est assez grand. Je ne sais pas si vous voulez, c'est assez grand. Il y a un petit design là. Je ne sais pas si vous voulez voir. Et voilà, je trouve que c'est magnifique. Je me mets à la place de la future gagnante ou le futur gagnant. Oui, parce que les hommes là, il faut participer. Tu participes au jeu et tu offres ça à madame, quoi. Ou bien à ta mère, ou bien tu gardes même pour toi, ou bien à ta fille. Voilà, je trouve ça super, super joli. Je vais vous montrer l'intérieur. J'ai mis un habit dedans pour le faire gonfler afin de vous le présenter. Donc, faites pas attention. Ça ressemble à ça. En fait, c'est quand je retire mon habit là. Ça ressemble à ça, à ça. Oui, il y a une poche ici. Et le dedans est tout simple, quoi. Voilà. Donc, ça fait, on va dire que ça, c'est le quantième lot. Le cinquième lot. En fait, je répertorie en fonction de lot pour que ce soit facile pour vous de dire quel lot vous voulez, quoi. Donc, voilà ce magnifique sac. En tissu wax, je suis devenue présentatrice de chaîne de télé. En passant, c'est ma tante qui a d'ailleurs cousu ce sac-ci. Oh, ça pèse. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais un peu faire
Très sain. Voilà. J'espère que vous me voyez. Vous m'écoutez. C'est un peu de cache-cache à YouTube. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a ici, c'est un sac de voyage. Et il y a aussi une corde là. Et je trouve ça magnifique. C'est trop beau, quoi. Voilà. Oh my god, ça pèse. Il y a mes tissus dedans. Ça pèse. Ça pèse, quoi. Ça pèse. On va laisser là. Et elle m'avait d'ailleurs fait des chaussures assorties à ça. Voilà. On appelle ça quoi? Les chaussons de chambre. Les chaussons de chambre, je sais pas. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Et j'adore. Je reste à la maison avec. Elle n'est pas gentille, ma tantine. Elle n'est pas gentille, ma tata. Bah, moi, je ne change pas de tantine. Maintenant, on va passer au lot pour les hommes. Oui, ma sister. Ah. Don't be like that now. We have to share with our brothers, with our fathers, with our nephews. Don't be like that. Ah. Just for you girls. What is it now? We have to share. Ok. Oh, j'arrête mon anglais catastrophique là. Et je vous présente le lot pour les garçons. J'ai pensé à des nœuds papillons comme ça. Oh là là, je trouve ça d'une beauté extraordinaire. J'espère que ça va bien. Fais le close-up. Fais le close-up. Fais le close-up. Ah, 3 ans après. Voilà, je trouve ça super, super, super beau. Ça, c'est pour les garçons. Et il y aura 4 nœuds papillons à gagner. Je parle, ça ne focus même pas sur moi. Oh, focus sur moi, appareil photo. What is it? Voilà. J'étais en train de dire qu'il y aura 4 nœuds papillons à gagner pour les garçons. Pas forcément le même modèle. Bon, je pense que je vais faire d'autres modèles. Mais c'est juste beau, quoi. Et bien sûr, il y a aussi les pochettes pour ça. Les pochettes pour chaque nœud papillon. Je pense que je vais porter ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça vous tente? Peut-être avec quoi? Est-ce que j'ai pas de veste là? J'ai pas une veste. Bon, je pense que je vais porter ça avec un Odin. On se retrouve tout à l'heure. Hein? Il faut que je montre aux garçons comment ils seront chauds avec ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà, les garçons là. À cause de vous, je suis partie me changer spécialement pour vous. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos hommes, hein, les filles? On vous aime. Malgré tout, on vous aime. Mais vous êtes toujours là à vous déranger. Oh. Bon, j'espère que je ne vais pas me décoiffer. On a ce système-là pour pouvoir augmenter et diminuer la côte là. Ça va gâter ma coiffure. Je ne fais plus. Oh. On s'en fout là. Ça demande aussi le look. Hey! Les garçons là, vous êtes sûr que je vais encore vous donner là. Vous donner les nœuds papillons là. C'est comme si ça me plaît. Je crois que je vais aller mes boucles là parce que nœuds papillons, on va pas passer avec ça. Mais bon. C'est juste pour vous faire voir à quoi ça va ressembler. Hein. On va faire ça comme ça. On diminue la côte. Hein. Allez, on m'étrangle. Ouais, ne fais pas attention pour moi. Je vais finir ça. On diminue. Moi, j'ai un petit courrier donc. Je dois diminuer vraiment, vraiment. Enfin, je crois que là, c'est bon. Et sinon, je vais mourir. Enfin, 3 ans plus tard, je reviens. Et j'ai fait les plis pour la poche. Et on met là. Oh, j'aime quand les garçons font ça. Oh! Oh my God! Je ne suis pas classe. Je ne suis pas chaude. Hein? Je suis chaud comme. Donc chaude. Oh my god, c'est. Donc, hein, les garçons, j'ai fait ça pour vous. Hey! On n'est pas obligé de porter les vestes là et tout. C'est trop beau. Hein? Même vous, les filles là, vous pouvez aussi porter comme ça. Mais s'il vous plaît, les nœuds papillons, si c'est fait. Pour les garçons, laissez les garçons jouer aussi. Maintenant, si tu es une fille et que tu veux gagner ça pour offrir à ton chéri, voilà, ça va. Mais quand même, voilà, je pense que je vais aussi porter ma paille parce que la manière que c'est beau là, je pense que je vais même finir la vidéo comme ça, quoi. C'est trop beau. Je vais porter ma paille. Attendez, je reviens.
Est-ce que je ne suis pas canon? Oh là là, j'aime trop le pain. Le pain, c'est le piment dans la sauce, tu vois, non? Tu mets ses mains un peu ici, un peu là, et tu te sens. Oh, j'aime trop. Oh, merci les garçons de m'avoir inspiré. Ce n'est pas mon look. Hein? Mais bon, comme j'ai dit, laissez les garçons participer. Laissez les garçons aussi. C'est quoi? Vous aimez trop ça. Allez, on va continuer. Je reviens. Il faut que je m'habille comme j'étais au début de la vidéo. Sinon, je ne respecte pas cette vidéo. Tu vois un peu, non? Sinon, ça fait un peu de décalage horaire. Je ne sais pas trop quoi. Je reviens. I'm coming back, baby. Je ne sais pas pourquoi je m'agite comme ça. Bon, on passe au quantième lot. Vous savez quoi? Affaire de lot, de numéro et tout là, j'ai oublié. Je vais bien répertorier ça dans la barre d'infos. Donc là, je suis un peu perdue. Bon, on passe à quoi? Devinez, devinez, devinette. Devinette. Tada! Si vous avez pu deviner ce que c'est, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Pour briser le suspense, c'est tout simplement un range stylo, mais pas un rangement de stylo classique, parce que il est en même temps un range carnet. Et voilà à quoi ça se ressemble. Ça se ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble quand on ouvre. Je trouve ça juste magnifique. Là, vous pouvez mettre votre carnet, votre agenda, blablabla, tout ce que vous voulez. Et là, vous pouvez ranger vos stylos. J'espère que ça focus bien. Voilà. Je suis tellement contente de moi que vraiment. C'est trop joli, quoi. C'est trop magnifique. Et voici la première couleur qu'on a. Pour fermer. Il y a ces deux cordes-là. Vous passez un devant, un derrière. Et arrivé ici devant, vous faites juste un nœud. Je vais faire un joli nœud, s'il vous plaît. Un joli nœud. Si le nœud n'est pas joli, là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si le nœud n'est pas joli. Voilà. Ça donne ça. On a comme ça 6. Et je vais vous montrer toutes les coloris. Le premier, le second, oh my god, et c'est ce que les filles sont en train de faire comme ça, vu que le rose là, le rose et les filles, c'est pas ce qu'on vous a donné. En plus, c'est le rose, c'est ça, le bleu, un peu de bordeaux, un peu de bordeaux, voilà. Le même système, là il y a un nœud, et quand on ouvre, tada, oh my god, ce n'est pas magnifique ça. J'ai vraiment pris du temps pour faire ça, mais je suis contente de moi. Je suis contente de pouvoir vous offrir quelque chose que j'ai fait avec amour, avec attention, les petits détails. Je me suis dit que non, il faut que ce soit vraiment on flick, on point, hein? Parce que chez les peintres, mais qu'on fait pas de, on fait pas dans la dentelle. Donc, je trouve ça super joli. C'est trop beau. Et le même système que l'autre, là vous classez vos stylos. Ici vous mettez votre carnet, votre Bible, votre livre, je sais pas quoi. Et voilà, on referme comme j'ai dit précédemment. On fait un joli nœud. Le troisième. Et voilà, un tissu pagne avec les cœurs dessus. Et c'est d'ailleurs le même tissu pagne qui est dans le cadre ici. Vous avez remarqué. Je ne suis pas sûre que vous avez remarqué. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On a du vert, de l'orange, du bleu marine. Et quand on ouvre, voilà à quoi ça ressemble. Oh my God. Beautiful. C'est tellement joli, quoi. Et voilà le même système. On a là le logo. Ici, vous rangez vos pinceaux. Et vos pinceaux. Oui, vos pinceaux aussi. Je ne sais pas si vous êtes maquilleuse et que vous voyez que vous allez ranger vos pinceaux là-dedans. Pourquoi pas? Mais ce sera les petits pinceaux. Hein. Voilà le troisième. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas un peu changer?
Raison pour laquelle j'ai fait ça. C'est pas beau ça. Le système de fermeture n'est pas la même. Voilà. Ici, vous avez une poche à l'extérieur. Vous avez là les fermetures. On ouvre comme ceci. C'est comme des boutons, hein. Voilà. Et quand on ouvre, c'est là. J'ai voulu faire ceci, un camaïeu de bleu. J'ai mixé tous les bleus et tout, etc. Là, vous avez le même système. Vous avez, vous rangez vos stylos ici, votre livre là. Et vous fermez. C'est pas joli. Hein? C'est pas joli. Oh, tellement je suis contente. Je suis tellement contente. Alors, voici le quatrième. Le cinquième, je sais pas, hein. Depuis je cherche mon préféré, j'ai pas encore trouvé, je les aime tous. Le voici. Oh my god. Un joli vert, un vert magnifique. Avec un beige comme ça, un beige qui tend vers le vert, un beige qui tend vers le... Je dirais même c'est un vert citron, je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon. Il y a aussi une poche là, le même système, vous ouvrez. Ici et voilà, j'ai encore voulu faire, j'ai voulu faire avec cette pochette un truc décalé. Quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit le vert qui est là, vous voyez, il y a un petit vert ici, c'est parce que vous allez voir, il y a un vert là et ça marie très très bien avec celui-ci. En tout cas, moi je trouve, hein, les gens vont me dire que non, mais moi personnellement j'adore le fait que ce soit décalé. C'est ouvert là et quand vous ouvrez, vous avez une petite surprise de couleur à l'intérieur. Je trouve ça trop trop joli quoi. Je trouve ça, et j'ai tenu à faire des pochettes qui sont, qui vont pour, c'est pour les deux sexes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, bah vous pouvez utiliser ça. On a tous des stylos, on a tous un carnet et tout, donc ça va. Pour tout le monde, pour les mamans, pour les jeunes filles, pour les papas, etc. etc. Et enfin, oh, la vidéo c'est fini déjà. Je suis triste. Ok, ça va. Et enfin, on a celui-ci. Oh my god, c'est pas joli ça. C'est trop beau. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Comme les autres, on ouvre ici, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez ça. Oh my god, c'est magnifique, c'est sublime. Hein? C'est magnifique, c'est indolé, c'est coquille, c'est héros. C'est... Oh, ouais, ouais, Sandra. Je suis tellement contente de moi, hein. Et là, le même système, vous rangez vos stylos ici et vous rangez. Je vais ranger mon stylo. Hein. Je vous montre comment on range les stylos. C'est un petit tutoriel. Petit tutoriel, comment ranger. Pourquoi la caméra ne filme pas bien? Focus, non. Voilà, maintenant on le voit. Oh, petit tuto, comment mettre son stylo dans son porte-stylo. Voilà, vous prenez le stylo. Ensuite, vous passez dans le trou. En une seconde, quoi. Le tuto, donc, voilà. Mais je sais que je vous ai sauvé la vie. Je sais qu'il y a beaucoup ici dehors qui ne savent pas mettre un stylo dans un porte-stylo. Raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo, hein, ce petit tutoriel, pour pouvoir vous aider. C'est tout simplement sublime. Et franchement, vous savez quoi? Attendez, la caméra l'a fixée d'abord. Ou ça fait quoi depuis? Je ne sais même pas. Enfin, vous savez quoi? Les trucs sont trop beaux. Moi, je veux aussi participer. Oh, moi, je veux aussi participer. C'est même quoi? Trop de belles choses. Écrivez en commentaire si j'ai le droit de participer au jeu, parce que là ça commence à m'intéresser. Et je voulais aussi vous montrer ce bracelet, hein. Voilà, c'est une création de ma cousine et je trouve ça trop beau. C'est super magnifique.
Et oui, dans la famille, nous sommes très manuels. On dit comme ça, non? On sait se servir de nos mains. Et si vous êtes intéressé, je vous passe sur Facebook et tout. Voilà, c'était tous ces petits cadeaux, toutes ces petites choses que je fais avec amour, avec attention, rien que pour vous et exclusivement pour vous. J'espère sincèrement que ça vous fera plaisir, comme moi, ça me fait plaisir de vous les offrir. Pour participer au concours, ou bien au jeu, ou ce concours, je ne sais même pas quoi, on dit ça même comment. Vous devrez être, bien évidemment, abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, c'est pas drôle, hein, hein? Je t'invite ainsi à écrire en commentaire, je participe, à utiliser le hashtag Mekezok Partage et de surtout, s'il te plaît, me dis ce qui t'a poussé à t'abonner à la chaîne. N'hésite surtout pas à checker la barre d'informations pour des informations supplémentaires. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne chance pour pouvoir remporter un lot. Ciao, ciao. Mouah!